This is the WASH Systems Academy short video series, sharing views and experiences on WASH System Strengthening. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser l'outil euh, nous, nous avons décidé d'utiliser cet outil euh, pour euh, permettre euh, aux districts et au gouvernement, euh, dans leur planification, euh, un moyen d'avoir euh, une idée ou bien euh, le coût nécessaire, tous les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs euh, universels. Euh, tout le monde euh, doit avoir accès à l'eau euh, et à l'assainissement. Mais parfois, les gens considèrent seulement euh, le coût pour les nouvelles infrastructures. Maintenant, il fallait savoir, euh, il, il fallait aider le gouvernement, il fallait euh, apporter une autre euh, vision de savoir. Pour ne pas seulement considérer le coût pour les nouvelles infrastructures, mais aussi euh, le coût pour euh, le, le remplacement, euh, le coût pour euh, l'opération, euh, pour le suivi et l'évaluation, tout ça n'était pas considéré avant. Et lorsque le district et, et le gouvernement étaient en train de préparer euh, le, 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 le document de planification, euh, ils il ne, il, il ne mettaient il pas ces euh, coûts. Dans leur planification. Maintenant, nous avons décidé de leur apporter ces tools euh, comme, comme un atout qui peuvent les, les aider euh, à, à, à savoir tout, à, à évaluer tous ces coûts et à, leur, à les considérer dans leur planification. Dans ça, on nous avons commencé en 2016, euh, ça a commencé avec Water for People et IRC et Agua Concert. Euh, nous avons commencé comment on peut euh, euh, à, euh, faire les, 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 les outils. Et puis, euh, nous avons développé les outils, euh, et puis nous avons, euh, avons testé, nous avons essayé d'utiliser ça, nous avons ajusté là où ça ne marchait pas. Et puis, finalement, nous avons eu des, des outils qui, qui ont été utilisés par, dans certains districts. Et c'était un bon une bonne procédure. Et nous avons des bons résultats jusqu'à ce moment. En quoi cet outil a-t-il été utile? C'était utile euh, euh, parce que ça, 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 ça a ouvert les yeux du district. Euh, premièrement, même le concept, c'était un peu nouveau parce que les gens, euh, ils ne savaient pas, ils disaient, quand on construit les infrastructures, c'est fini, on a fini notre boulot. Mais on leur disait, non, quand vous construisez les infrastructures, il y a aussi un autre travail qui reste à faire. Et vous devez planifier pour le remplacement, vous devez planifier pour euh, l'opération. Euh, vous devez planifier pour la maintenance. Vous devez planifier pour le suivi et l'évaluation. Et maintenant, le district disait, parfois on leur disait, vous avez construit des infrastructures pendant 5 ans, 10 ans, mais votre niveau d'accès, ça ne monte pas. Parce que vous construisez des nouvelles infrastructures, mais vous ne remplacez pas ceux qui sont euh, vieilles. Et pourquoi vous ne remplacez pas? C'est parce que vous n'avez pas planifié ça. Vous n'avez pas de budget pour faire ça. Et pourquoi vous n'avez pas de budget pour faire ça C'est parce que vous n'avez pas évalué ce qui est nécessaire. Et maintenant, on veut vous aider à évaluer pour savoir dans cinq ans, dans dix ans, quel est le budget que je vais utiliser pour remplacer les vieilles infrastructures, quel est le budget que je vais utiliser pour euh, la maintenance, quel est le budget que je vais utiliser pour le suivi et évaluation. Maintenant, le district, euh, ils ont réalisé que il est vrai que ils se concentrer sur euh, les nouvelles infrastructures, la construction, la construction. Mais personne ne paye attention, ne réaliser que si on ne remplace pas, euh, le niveau d'accès ne va pas grimper. Ça restera peut-être sur place ou bien parfois ça peut même descendre. Donc, ça a aidé d'équiper les districts avec euh, tous les coûts nécessaires d'avoir une idée sur tous les coûts nécessaires. Et au moins de, 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 de leur informer que c'est faisable. Euh, ils savaient ça, OK, mais comment faire ça? Ils ne savaient pas comment faire ça. Maintenant, avec les outils, on leur a apporté un moyen de savoir comment euh, faire, faire ça. So, ça. ça nous a aidé à leur euh, à, à préparer, à leur informer. Et maintenant, je crois qu'ils commencent à réaliser que ce sont des outils nécessaires dans leur planification de tous les jours. Quels ont été certains des défis que vous avez rencontrés? Bon, les, défis, euh, les défis, je peux dire qu'il y a deux sortes de défis. Euh, le premier, c'est que c'était un nouveau concept, mais euh, même à Water for People et avec IRC, on ne connaissait pas le, le chemin ou bien quel est le moyen pour utiliser. Les tools ont été développés, on n'avait pas les outils. Les, les outils n'étaient pas là. Donc, il fallait les, 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 les développer, les tester. Donc, on a dû aussi euh, batailler à gauche et à droite pour savoir quel est l'outil exact pour utiliser. Et parfois, euh, ce sont des, des outils avec Excel et il y a beaucoup de formules. Et donc, c'était pas facile. Le deuxième défi, c'est que quand on va euh, faire la formation pour euh, les, 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 les emplois, les, 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 les employés du district ou bien du gouvernement, euh, parfois, ils, ils, ils aiment le concept, ils aiment les outils, mais quand on commence à entrer dans les détails, euh, changer une formule ou bien modifier une formule, ah, ils disent Ah, ça, c'est compliqué. Euh, formule avec tout, une page d'Excel, de formule, c'est Non, je ne peux, peux pas travailler avec ça, c'est trop compliqué. Donc, il y a ce challenge. Pour le, les, les outils sont encore un peu complexes. Euh, ce n'est pas maniable. Euh, donc, euh, si les gens, les gens peuvent perdre l'intérêt, euh, euh, ils disent non, j'aime l'outil, euh, je comprends euh, euh, à quoi ça va m'aider, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour moi. Donc, on a toujours ce défi. Mais petit à petit, euh, les gens, euh, surtout ceux qui... On euh, utilise ça, par, par exemple, les, les employés du district, euh, les ingénieurs de l'eau et d'assainissement. Euh, quand ils sont intéressés vraiment, euh, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent Non, donne-moi les vidéos, donne-moi les tutoriels, je vais continuer à, à, à étudier ça et je vais utiliser parce que quand le, le, le maire du district me demande le budget, il veut, il veut que je lui donne le budget, euh, parfois je n'ai pas d'informations et parfois je n'ai pas. De, de documents pour lui montrer maintenant avec ton outil là, je peux aller lui montrer lui dire voilà comment j'ai fait les calculs, voilà comment j'ai fait l'évaluation et c'est ça le budget. donc il y a encore euh, ce, ce, ce défi mais euh, on continue à y travailler euh, avec beaucoup de formation, avec beaucoup de mobilisation euh, Mais je crois que aussi avec IRC et, et les autres partenaires, on va travailler pour voir comment ça peut être, euh, la complexité peut être réduite, la, la, comment manipuler ça et réduire à une, à, à une forme qui est utilisable, qui est facile pour les gens du district qui disent, je dis, pas le temps pour faire le calcul avec un Excel, formule d'une page, euh, je veux seulement quelque chose où je peux cliquer, je peux mettre l'information et, et j'ai le résultat. Euh, C'est ça le, le petit défi que qu'on a là. Euh, mais c'est un bon outil et on a encore du chemin, mais je, je, je dis, le concept est là, l'idée est là et je crois que ça, ça, ça va nous aider à, à former les gens du district et à pour, pour, euh, donner notre euh, apport au, au district. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui commencent maintenant à utiliser l'outil? conseil que je peux donner, c'est à continuer à utiliser l'outil. Euh, faire les, les, les évaluations, aider les districts, d'avoir de, 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 euh, l'idée d'ensemble de tous les coûts nécessaires, euh, parce que c'est le seul moyen qu'on peut faire la planification. Si on veut vraiment euh, atteindre les objectifs euh, de développement durable, euh, il faut faire une bonne planification. Nous sommes en 2022, il ne nous reste que huit années pour atteindre les objectifs euh, de développement durable. Et si on ne fait pas vraiment une bonne planification, euh, on, serait, on réalisera en 2030, euh, c'est déjà trop tard. Euh, on n'a pas atteint ça, mais on a atteint seulement, on a beaucoup construit des infrastructures, mais on n'a pas fait le suivi et l'évaluation, on n'a pas fait la maintenance et donc on n'a pas pu atteindre euh, l'accès global et l'accès universel. Euh, donc euh, on ne veut pas avoir euh, ce, ce, cette excuse. Euh, je crois qu'il faut. Continuer à, à, à dire aux gens d'utiliser de, de, euh, les outils, à continuer à faire la formation, à continuer euh, à, à former beaucoup de gens et avec ça, euh, on aura beaucoup de gens qui vont utiliser l'outil et à beaucoup de gens qui vont avoir connaissance de, 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 des outils et qui vont utiliser ça et qui vont aider les districts euh, à planifier et atteindre les objectifs de développement durable. Mais aussi, les autres partenaires, j'aimerais leur donner un conseil de se joindre à nous. Euh, ils peuvent avoir d'autres idées, ils peuvent avoir d'autres conseils, d'autres moyens pour modifier ou bien d'autres aspects qu'on n'a pas considérés. Euh, donc, euh, avec euh, IRC Water for People, il y a la coalition, coalition globale Agenda for Change, ce qui est une plateforme pour, pour où les gens peuvent discuter, échanger les idées. Euh, donc, il faut utiliser ces plateformes euh, pour échanger, pour euh, voir ce que les autres utilisent, euh, ce que ce qu'on n'a pas tenu en considération et ce que euh, on a oublié. Mais euh, je, ce que je dirais, c'est que il yeah, ya euh, les gens pourraient doivent continuer à utiliser ça et peut-être euh, on pourra Donner notre appui aux districts et leur aider à atteindre les objectifs de développement durable, et faire à partir d'une bonne planification. This was the Wash Systems Academy short video series. Find out more at WashSystemsAcademy.org.